C'est une image que nous, les Occidentaux, connaissons bien. C'est un peu la seule image qu'on a de Tiananmen. Et c'est une photo qui est strictement censurée en Chine, qui évidemment que la plupart des Chinois soit connaissent mais ne l'avouent pas, ou ne la connaissent pas du tout pour ceux qui sont nés après 89. Donc l'objet de ce rassemblement aujourd'hui, c'est de célébrer la figure de ce tankman, qui est devenu en fait un symbole de la résistance pacifique à l'oppression. Et un peu un symbole en fait de l'activisme des activistes chinois, des défenseurs des droits humains et de tous ceux qui s'opposent aux violations des droits humains en Chine.